good. Pourquoi Stallone a obligé ses filles à subir un entraînement inhumain? Sylvester Stallone a infligé un traitement très difficile à ses filles en pleine forêt pendant plus de 6 heures. Beaucoup de gens ont manifesté leur colère et leur incompréhension vis-à-vis de cet entraînement militaire. Ils se sont demandé pourquoi il avait décidé de les faire souffrir de la sorte sans la moindre pitié. Ce n'était pas parce qu'il était un père sans cœur ou qu'il aimait voir souffrir des femmes, comme beaucoup l'ont affirmé, mais à cause d'une toute autre raison que je vais vous expliquer et qui va très certainement vous laisser sans voix. Cet épisode, qui a beaucoup fait parler de lui, a été montré à l'antenne dans le cadre de l'émission de télé-réalité sur la famille Stallone. À ce moment-là, l'acteur américain était confronté à un moment très difficile dans sa vie de papa, puisque ses deux filles, Scarlett et Sistine, lui ont annoncé qu'elles quittaient la maison pour aller poursuivre leurs études à New York, une ville qu'il connaissait très bien et dont il a connu les côtés les plus sombres. En effet, Stallone y avait vécu un véritable enfer quelques années auparavant. Il avait été victime de plusieurs braquages et avait subi des violences à plusieurs reprises. Il était très inquiet pour ses filles à l'idée de les voir partir là-bas, car il ne voulait pas qu'elles vivent la même chose. C'est pour cette raison qu'il a décidé de les préparer au mieux avant leur départ. L'acteur a alors fait jouer ses contacts et il a emmené ses filles en pleine forêt afin qu'elles s'entraînent aux côtés de plusieurs militaires de la marine de guerre des États-Unis. Au départ, personne ne connaissait la vraie raison pour laquelle il avait mis ses filles dans cette situation difficile, et cela lui a valu de très nombreuses critiques. Cette méthode peut paraître très brutale au premier abord, mais au fond de lui, Stallone savait que c'était pour leur bien. L'acteur a toujours été un père très protecteur, il ne pourrait pas supporter l'idée qu'il arrive quelque chose à l'une de ses filles. Depuis leur plus tendre enfance, elles ont reçu une éducation très stricte de sa part, mais elles savaient que c'était pour la bonne cause et sont aujourd'hui très reconnaissantes d'avoir un père comme lui.